De petits déjeuners simples et faciles à faire. Votre mari voudra en manger tous les jours. Pour commencer, nous allons avoir besoin de 2 miches de pain. Avec un couteau, je vais retirer la mie des pains et les mettre de côté. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais étaler la mie. Nous allons également avoir besoin de 2 saucisses. Je vais les couper en tranches. Profitez-en pour me dire depuis où vous nous regardez, pour que je puisse vous remercier de continuer à suivre nos recettes. Dans un bol, je vais casser 2 œufs et je vais bien les battre. Les gars, ce sandwich est très facile à préparer et il est super délicieux. Il est parfait pour toute la famille. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, dans une poêle, je vais ajouter un peu de margarine. Après ça, je vais disposer les bords des 2 tranches de pain et à l'intérieur, je vais disposer les tranches de saucisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Si vous continuez de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous aimez notre recette. Alors, cliquez sur « J'aime » et écrivez ci-dessous « J'aime les saucisses ». Maintenant, je vais ajouter les œufs battus, une pincée de sel, une pincée de poivre noir, une tranche de mozzarella, du ketchup, de la moutarde, et enfin la mie de pain que l'on a étalée. Quand un côté est doré, je vais retourner pour faire dorer l'autre côté. Et voilà, c'est prêt maintenant. Régalez-vous. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus !